So this high speed is premièrement, first set. Au meilleur des 5 sets. Alors que jusqu'à présent, tout s'est joué bien sûr en 3 sets. Première réflexion de Pierre Barthès. Oui, non, mais c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que Lendl jouait des revers chippés, coupés, courts, qui va obliger Wright à rentrer à l'intérieur. Et si par hasard la balle est courte, à ce moment-là, il va planter l'accélération. C'est pour ça qu'il joue ce petit revers coupé. Quand il recule, il lift la balle, là, il pousse l'adversaire. Et dès qu'il va, à des moments, il va changer par des petits revers coupés. On va avoir beaucoup de dialogue comme ça. Tentative d'accélération sur le coup droit de Reite, mais dans le filet. C'est son point fort, c'est son point dangereux. Déjà dans le terrain, il retour. Cette deuxième balle va être attaquée très souvent. Retour d'Ivan Lendl sur cette accélération et la montée de Martin Reite qui perd tout de suite son service. Ah, une petite réclamation de Lendl, on va essayer de vraisemblablement savoir de quoi il s'agit. Les beaux chapeaux bien sûr pour cette finale. On va avoir une annonce de l'arbitre. Let me get it on the next changeover, because you're not facing it, right? Ivan Lendl qui monte à la volée. 30, 15. Il ne monte pas comme Yannick Noah le fait, direct. Ah, bien sûr. Il
il sert très fort et raqué, ce qui lui permet de... Là, on voit l'accélération, le coup droit, et qui fait vraiment mouche. Et la conclusion qui est parfaite. Mais c'est quelqu'un qui ne suit pas son service, qui permet à raqué de retourner la balle tranquillement, en haut, sans prendre beaucoup de risques. Oh là là! 40. Disons qu'il n'a pas la pression de la volée, mais la pression du coup droit suivant. Lendl aimait bien, dès qu'il est à l'intérieur, accélérer. Donc c'est très différent comme situation. Lendl, après avoir pris le service de son adversaire, vient d'inscrire le deuxième but. Il a gagné son service, il mène 2-0 dans cette finale ici à Monte-Carlo. Sylvain Lendl se pose la question, il n'est pas très sûr, mais je crois qu'elle était juste derrière la ligne, Pierre. Martin Reité, s'il veut avoir une chance d'inquiéter Ivan Lendl. Vous avez vu sur cette deuxième balle de service l'accélération de Lendl de suite qui a été très bien impliquée. Mais mettre en danger toute la partie. Ça a été intérêt à monter. Là, il l'a très bien fait, il a bien conclu. Sa première balle lui permet. Ouais. Il a une très très bonne première balle.
plus, Lendl est très loin, donc c'est pas pour la dernière fois qu'il devrait le faire. Par contre, la deuxième balle, Aït. Ah oui, très faible. Très, très faible. C'est lui qui est en difficulté. Oh là, quel retour! Il fallait gagner ce point, c'était pas évident. Sur une deuxième balle, la deuxième servie très très faible, on le voit. Regardez la deuxième balle, de suite l'accélération de coup droit fantastique de Lendl, mais ouais. Les jambes exceptionnelles de ce garçon. Il pouvait conclure là, Ivan Lendl, il a voulu assurer. Quel retour! Au niveau de la course, ce garçon, hier, dans tous les compartiments du jeu, il est toujours très équilibré, il peut tirer des passing shots où il veut. Il est très complet là. Mais il vient de gagner son service, Martin Reité face à Ivan Lendl qui mène donc 2-1. Mais on sent d'entrée dans cette partie le poids de la balle de Lendl qui est vraiment plus solide. Et chaque fois que lui il fait des accélérations, il y a une déstabilisation adverse. Et heureusement que Reité a des jambes pour pouvoir tenir et maîtriser. Ça va être très intéressant, je pense, cette partie. Je crois qu'on va être fixé assez rapidement. Martin Reité, qui est maintenant le meilleur joueur argentin. Et il a succédé à Guillermo Vilas, qui a longtemps dominé le tennis mondial, le tennis dans son pays, bien sûr. Toujours, il y a un drapeau qui bouge. Oui, je pense que c'est peut-être pour cela qu'il est gêné par le drapeau. C'est ce qu'il a dû dire tout à l'heure à l'arbitre. Bien l'arbitre. Oh, et avec un peu de chance. Sur la bande. Et les champions ont toujours de la chance, Pierre. Ah, c'est très bien pensé, Raïté était loin et il a fait ça contre Yannick hier, une ou deux fois. Très bien joué, c'est vrai. Il décale son coup droit comme s'il allait accélérer et il décroise le fil d'amorti. Pas dommage, en tout cas, on sent qu'il a fallu deux jeux à Martin Reité pour être vraiment dans le match. Et je crois que maintenant, il y est. On revoit cet échange au ralenti. Et cette balle que va chercher Martin Reité, nouvelle accélération de Lendl. Oui, c'est la différence, c'est que quand Lendl l'accélère, ça va être un poids fou et celle de Reité est un peu légère, disons, pour Lendl. Il n'est pas 14h23, il est 14h32. Très bien joué. En tout cas, les deux points qu'il a marqués avec beaucoup de sang-froid et d'autorité, Martin Reité, c'est en montant la main. Non, mais il est très rapide, on voit ce garçon, c'est un feu follet. Oh!
Lundell leads 3-1. Ivan Lendl était sur la balle. Canada, 15. Je crois qu'il a voulu faire un contre-amorti et il s'est complètement. Il a raté complètement son coup. Service Heite qui mène 45 dans ce cinquième jeu. Il est tout de même mené 3-1 par Ivan Lendl. Très bien joué. Il revient à 3-2. On se rend vraiment dans le match. Non, mais on se rend compte qu'il est dangereux. C'est pas un petit joueur, c'est quelqu'un de. Hier, il a pris la mesure aussi. En début de partie, il semblait jouer court, il accélérait trop vite. Puis il a pris sa mesure et plus ça allait, plus il devenait fort. Ivan Lendl domine aussi son sujet et domine aussi son adversaire. On a le temps de tout de même de se restaurer en assistant à cette finale de l'Open de Monte Carlo et vous voyez le pourcentage au niveau du premier service, 74% pour Ivan Lendl, 43% pour Martin Reite. Love 15.
Quel service. Canva, 15 ans. Lendl n'a même pas bougé. Belle accélération de qualité. 15-30. En début de partie, il a raté 3 coups droits comme ça. Mais c'est vraiment son point fort. Je pense que là, chaque fois qu'il va pouvoir, il va... dès que la balle va être courte, Lendl va être en danger. L'accélération est montée de Reiter, qui va peut-être prendre le service d'Ivan Lendl. Il a deux balles d'égalisation à trois partout. Quelle accélération, encore une fois, formidable. Hier, ça confirme tout à fait ce que vous dites depuis le début de cette rencontre. Un coup droit étonnant, une accélération qui inquiète Ivan Lendl. Et en tout cas, on le voit ici au ralenti. Mais tout ça, c'est aussi dû à la forme de déplacement de ce garçon qui est très léger, qui peut tourner autour de la balle, détourner son revers et... Il est très mobile, il n'a pas l'air de se fatiguer hier, il a dominé ce terrain du début à la fin de la partie sans pas pouvoir se fatiguer. Enfin, c'est pas mal non plus, en tout cas, Reiter a rétabli la situation en égalisant à 3 parties après avoir pris le service d'Ivan Lendl, mais il est mené 0-4. Sans Lendl appuyer ses coups, un peu de succès sans le numéro 2. Les échanges. L'arbitre. Il y a des gens qui ont annoncé out. Et on demande de laisser aux arbitres de faire leur travail. Un peu plus fort, mais Reiter arrive à le tenir loin.
15. Deuxième balle. Ah, vraiment, oui, très faible. Voilà. La deuxième balle très très faible. Il a encore une balle de 4-3. Oh, il a été. 40. C'est important ça parce que ça va mettre de la pression sur. Raïté, sur la deuxième balle, il va forcer dans ce moment et peut-être qu'il va faire des doubles fautes. Il assure, ça il assure, bien. Ouais. Il faut aller la chercher cette balle, il y arrive, mais il manque quelques centimètres. Bien couru. Lendl s'en sort bien là, je crois qu'il fait un bois, il fait un bois, la balle oui, est rétro. Il a beaucoup de chance, oui. Regardez la balle, quand elle touche, elle revient en arrière. Et oui, c'est effectivement pour cela, bien, ouais. Bien vu, que Reité n'a pas pu récupérer cette balle. Nouvelle balle de 4-3 pour Reité. Bien joué pour la première fois depuis le début de ce match. Martin Reité mène au score 4-3 dans cette finale de Roland-Garros face à Ivan Lendl. Deux jeux pour se mettre en jambe, pour prendre confiance et être dans le match pour Martin Reité. Et maintenant, vraiment, belle opposition. Tactiquement, c'est très très bien joué de la part de Reité d'avoir accéléré de suite son coup droit et de venir la voler, de mettre la pression à 30-40. Avantage à lui, c'est bien exploité, c'est bien joué. Moi, ce qui m'avait surpris hier dans son interview d'après-match, c'est sa confiance. Il a dit, je suis là pour gagner et Lendl, je peux le battre. Oui, je crois que c'est ça, c'est le drapeau. Drapeau. On demande à... Parce que le drapeau gêne. C'est le pourcentage de réussite au service. Effectivement, il y a l'un des deux drapeaux qui bouge énormément. Et c'est ce qui a gêné tout à l'heure Ivan Lendl. Alors on va essayer de le bloquer un petit peu, parce que quand on est face à ce drapeau au service, c'est peut-être effectivement gênant pour les joueurs. Reité ne s'en est pas plein, mais en tout cas Lendl dès le premier jeu, la réflexion. Au début ça l'amusait, je crois que ça l'amuse plus du tout. Et ce qui est étonnant effectivement, c'est que c'est le drapeau de Tchécoslovaque qui semble gêner Ivan Lendl. On descend les couleurs. Voilà, on l'a descendu légèrement le drapeau pour pouvoir l'attacher et le bloquer. Voilà, et on le remonte maintenant. Pouvoir mettre cette balle le long de la ligne, c'était pas évident. Très bien joué de la part de Lendl. C'est bien joué des deux côtés d'ailleurs. Reité prend des risques.
Germany 6. 41. Ce qui est étonnant, c'est que depuis que le drapeau a été bloqué, ben, Lendl joue beaucoup mieux. Égalité, 4 partout dans cette première manche entre Ivan Lendl et Martin Reité, l'Argentin. Lendl joue fort là, on le sent appuyé, ses balles sont lourdes. Il est tellement complet, il est tellement... Il peut varier son jeu, ralentir, être patient et puis tout d'un coup venir très fort et comme maintenant il est en train de frapper toutes ses balles. C'est très joli ce match, en reculant, en regardant bien sa balle, et bien cadré. Là, ce coudron est très dangereux, décroisé. C'est un très bon lob de Lendl. Un lob de défense. Mais pas suffisant pour déstabiliser Reité. Très vite en jambe. Bien joué de la part de Reité, encore accélération tout droit le long de la ligne, qui a complètement déporté Ivan Lendl. Une balle de 5-4 pour Reité. Magnifique retour, magnifique. Oui, mais Reité était sur la balle, il pouvait très bien jouer peut-être plus doucement, c'était pas évident. Oui, mais Lendl aurait été dessus, et la balle était très difficile, c'est pour ça qu'il sort la balle, parce qu'il essaye de jouer un coup difficile pour mettre Lendl en difficulté. Et du fait du retour, il était le patron.
point très important. Balle de break pour Lindel. N'attendez pas à ça. Que c'est bien joué. Quel point formidable, Pierre. Et vous parliez tout à l'heure du jeu de jambes. C'est vrai qu'il a, il a un jeu de jambes extraordinaire. Il passe sur toutes les balles. Et un point qu'il faut revoir. Étonnant. Là, la défense est magnifique. Magnifique, cette accélération du retour. Un retour un peu court qui permet à Lindel d'accélérer. Regardez-le comment il remet cette balle et comment il est là déjà de suite. Bien placé, équilibré, il tire son passing. Beaucoup de chance, la balle est lette. Quel réflexe de faire ce lob. Nouvelle balle de 5-4 pour Reité. Oh là là. Lindel qui a balancé un petit peu, tapé cette balle un peu fort. Eh bien... C'est la deuxième fois que Reité mène à la marque dans ce set. Un peu de chance sur ce jeu pour Reité, mais beaucoup de cœur. C'est vrai que cette balle qui a frappé la bande, Lindel aurait peut-être pu conclure. Mais ce qui est très important dans ce point, c'est que Lindel a très bien joué, il ne pouvait pas guère mieux jouer. Et Reité a remis tranquillement et il était là, il a tiré les coups qu'il fallait. Ça veut dire que dans les prochaines situations, Lindel va peut-être forcer. Il sera obligé de forcer parce qu'il sait qu'il aura été là. Aucune double faute pour les deux joueurs. Un ace de chaque côté. Et Ivan Lindel qui va servir et tenter d'égaliser à 5 partout. Ça, c'était son accélération tout à l'heure de Robert, je crois. Non. Time. En tous les cas, on voit le déplacement. Oui. C'était l'accélération où il fait le point. Voilà. On en murmure encore de ce superbe point marqué par Reité sur ce lob lissé, alors qu'il était tout de même dans une position difficile en bout de course. Là, on a vu son accélération de revers, il force pas, il a juste accéléré sa raquette, on ne le sent pas donner du corps. C'est fait avec un grand équilibre, une formidable technique. Même Lindel n'a pas discuté. Elle est quand même proche. Moi, je le vois bien à l'extérieur. Bonne nuit.
changé d'avis au dernier moment, Ivan Lendl, sentant que cette balle sortait. Ainsi, Raité a été surpris de cette accélération longue ligne de Lendl. Les deux sont sensiblement les mêmes joueurs, ils peuvent faire ces coups-là. Bien sûr, en coup droit, c'est normal pour eux, mais en revers, ils sont capables de le faire. Mais disons que Lendl est plus lourd. La balle est plus lourde. Magnifique. Et voilà, quand il est en difficulté, Ivan Lendl, il sait réagir. Très 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 bonne deuxième balle. La deuxième balle était très très lourde, croisée, assez courte. Malgré le bon retour de Raité, le court était ouvert. Il faut surtout pouvoir prendre le risque d'une telle accélération, alors qu'il était mené 15-30 sur un point très important. Partout. Bien servi. Faute. From count 30-40. Là encore une fois, le physique de Raité qui était pris à contre-pied, qui a pu se rétablir et quand même faire un magnifique lob qui pousse Lendl à la faute. Vous savez que c'est une balle de 7. Oui, là on sent toute cette accélération, il y a tout le poids de Lendl, on le sent passer dans la balle, traverser la balle, mettre tout son poids. Et là il y a eu un contre. Raité était prêt à contre-pied, oui, là. Raité a contré. Et tout ça parce qu'il a une vitesse de jambe qui lui permet de s'organiser très vite et de pouvoir contrer. Magnifique. Le contre, c'est Lendl qui l'a porté ici en légalisant à 5 partout dans cette première manche. Alors que Raité a eu une balle de 7. Un beau match. Tout à fait. Bien,
Moi, je le dis honnêtement, j'étais un petit peu inquiet avant le début de la rencontre et finalement... Tout le monde. Formidable. Beaucoup de gens pensaient que ça allait être un match très facile. Regardez ça. Oh. Magnifique. Mais tout ça, c'est grâce à son jeu de jambes très très... et beaucoup de lucidité aussi. Non, c'est un vrai joueur, là. Avec un petit peu de chance. Lindel en a eu tout à l'heure, lui aussi. C'est l'accélération de Lindel qui est vraiment formidable et là-dessus il arrive quand même à s'organiser et à tirer un petit passing shot croisé parfait qui lui donne l'ouverture. Et là c'est vrai que ce coup droit n'était pas très très difficile pour lui, pour nous c'est autre chose. Oui. Il a complètement retourné la situation avec un lob de défense qui est allé sur la ligne. Formidable travail de la part de Lindel. Bien sûr, cette accélération. Merveilleuse défense. On ne peut pas réussir une défense meilleure, très longue, qui neutralise complètement ce match de protection de Lindel. Accélération de raté contre attaque ratée. Et voilà, 6-5 pour Martin Reisé, il est 15h07, on joue depuis un peu plus de 50 minutes maintenant, et je vous propose tout simplement une petite page de publicité. Et là, c'est lui qui est venu accélérer cette deuxième balle. Coming from outside the club. Where is that?
deux fois que Heiter rate que des balles aussi fatiguées tout à l'heure sur un coup droit, là sur un revers. Il doit s'en vouloir. Ça joue très très bien. Raïté se bat, il fait des grandes glissades, beaucoup de compensation. Point très important, peut-être une balle de 7 pour Raïté. Et oui, c'est la deuxième depuis le début de cette première manche. Deuxième balle de 7 pour Martin Raïté sur le service d'Ivan Lendl. Là où Ivan Lendl, je l'ai vu dans cette situation comme ça, servir, kicker et venir très vite à la volée, alors qu'il ne le fait jamais. Et il a failli. Oh ! Bien joué. Oh là là ! Très bien joué, balle très courte dans les pieds d'Ivan Lendl, qui perd donc ce premier set 7-5. Et on était surpris par la performance de Raïté depuis le début de ce tournoi. Il n'a pas concédé un seul set, et bien ça continue. Magnifique point.